Précisément, on en vient maintenant au troisième grand gagnant, si l'on peut dire, de ce scrutin. C'est effectivement François Bayrou. Il n'est pas qualifié pour le second tour, mais il triple quasiment son score, vous le voyez, par rapport à 2002, avec donc 18,57% des voix. François Bayrou, on l'a compris depuis le début de ce journal, très courtisé, les propositions sont déjà arrivées, mais qui ne s'exprimera qu'après-demain. En attendant, il réunit ses partisans. Véronique Saint-Olive, Thierry Curtet, Guillaume Michel. 9h ce matin, François Bayrou prend tout son temps pour rejoindre le QG de campagne. Son carré de fidèles l'a précédé, sourires et décontractions pour tout le monde. La réunion commence derrière la porte close, en position d'arbitre pour le deuxième tour. François Bayrou prépare l'avenir, loin des micros et des caméras. Avec 18,5% des suffrages hier soir, François Bayrou a presque triplé son score de 2002. Il n'est pas qualifié pour la finale, mais il est désormais incontournable. Je mettrai toutes mes forces à rénover la politique française. Je n'abandonnerai aucune de ces convictions. Je ne reviendrai pas en arrière. Les premiers appels du pied à gauche comme à droite ne se font pas attendre. François Bayrou lui confie, ça me fait me gondoler. Fidèle à sa démarche, il n'envisage ni ralliement, ni consigne de vote. Je peux que espérer qu'il ne fera pas l'erreur d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy. Nous, de toute façon, on lui fait confiance. Et je pense qu'il fait aussi confiance en retour aux citoyens et qu'il laissera les citoyens voter en leur âme et conscience. Et tout à l'heure, Azouz Begag confirme. Quand on est sur un terrain de football, la personne la plus importante, c'est l'arbitre. Et il y a quelques minutes, François Bayrou lui-même est interpellé. Vous donnez vos voix à M. Sarkozy, parce que la France soit une seule. Pas de réponse, mais mercredi, François Bayrou devrait annoncer la création d'un nouveau parti démocrate. Annoncer aussi des candidats dans toutes les circonscriptions pour les prochaines législatives. Reste à convaincre ses parlementaires d'affronter l'UMP et le Parti Socialiste sur le terrain. Vaste ambition. En attendant, c'est donc